Bonjour, je te propose d'essayer de faire cette division-là, un tiers divisé par 5. Alors comme d'habitude, commence par réfléchir de ton côté en mettant la vidéo sur pause et puis on se retrouve. Avant que tu le fasses, je vais quand même te donner un petit conseil, une petite aide. Essaye de représenter par un dessin un tiers de quelque chose, un tiers d'une unité, et puis divise ce tiers en 5 parties égales. A toi de jouer et puis on se retrouve. Alors maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble, et comme je te l'ai dit, on va s'aider d'un dessin. Alors je vais déjà dessiner un rectangle qui sera mon unité, voilà. Et puis ce rectangle, eh bien, je vais le diviser en trois parties égales. Alors là, je vais le faire à peu près, hein. ça ne sera pas tout à fait égal. Mais voilà, on peut imaginer que là j'ai découpé mon rectangle en trois parties exactement égales. Et si je veux représenter un tiers, eh bien, ça veut dire que je vais prendre une de ces parties sur les trois. Donc par exemple, je peux prendre celle-ci. Voilà. Là, ce que je colorie en orange, eh bien ça représente un tiers de mon rectangle. Voilà, ça c'est une manière de visualiser les choses. Alors maintenant ce qu'on doit faire, c'est diviser ce tiers en cinq parties égales. Alors c'est ce que je vais faire, et je pourrais diviser le tiers comme ça en cinq parties égales ici. Mais ce n'est pas ce que je vais faire, en fait là je vais plutôt diviser horizontalement euh, mon tiers, et même au lieu de couper seulement le tiers, je vais tout couper, hein. je vais décomposer comme ça tout le rectangle en cinq parties égales horizontalement. Donc là, une, deux, trois, quatre et cinq. Voilà, donc là ce n'est pas tout à fait bien fait. Hein. Il faut imaginer que toutes les bandes que j'ai tracées horizontalement sont exactement la même taille, hein, exactement la même hauteur, bon, ce n'est pas tout à fait bien fait. Mais disons que c'est comme ça. Alors ce que j'ai fait là, c'est découper tout le rectangle en cinq parties égales, mais en ce faisant, j'ai découpé aussi mon tiers en cinq parties égales, évidemment. Hein. Et si je veux un tiers divisé par cinq, eh bien, ça veut dire que je vais prendre une des cinq parties de mon tiers. Donc par exemple, je peux prendre celle-là. Voilà. Et je vais la hachurer comme ça, ce sera plus clair. Et donc ça, c'est exactement 1 tiers divisé par 5. Maintenant, la question à laquelle il faut répondre, c'est quelle est la fraction de mon rectangle qui est coloriée en bleu Alors, ce que j'ai fait en fait ici, c'est découper mon rectangle unité en 15 parties égales. Alors, comment je sais qu'il y a 15 parties égales ben, Ça, tu peux par exemple t'en rendre compte en les comptant tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou sinon, tu peux aussi aller un peu plus vite en disant que tu as 3 colonnes et 5 lignes. Donc 3 fois 5, ça fait 15. Donc effectivement, là, j'ai décomposé mon rectangle unité en 15 parties égales. Et ce que j'ai fait, c'est prendre une des 15 parties. Donc chaque partie ici, eh bien, représente un quinzième. Et ce que j'ai assuré en bleu ici, eh bien, c'est tout simplement un de ces quinzièmes. Donc ça, c'est un quinzième. 1 quinzième que j'écris comme ça, 1 sur 15. Et donc on a terminé finalement 1 tiers divisé par 5, et eh bien ça fait 1 quinzième, ou bien 1 sur 15.